Hey, comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de Instagram. Pour gagner des abonnés, qu'est-ce que j'ai pu faire sur Instagram? Alors déjà j'avais une première passion, ce qui était la photo. Donc déjà j'avais partagé quelques photos et tout ça, qui a permis d'avoir un minimum de contenu sur ma chaîne Instagram. Après, j'ai mis des à propos, j'ai partagé mon serveur Discord dessus, j'ai mis ma chaîne YouTube, ce qui permettait aux gens d'aller cliquer dessus et avoir des publications. Après, j'ai essayé de mettre du contenu entre faire des petits lives, mettre des vidéos, mettre des directs. Ceci m'a permis déjà de gagner une petite communauté de quelques abonnés par-ci par-là qui venaient déjà naturellement. Parce que le contenu leur plaisait, parce que les réels leur plaisaient, tout ça, ça m'a permis d'avoir déjà quelques personnes. Après, j'ai pas hésité d'aller sur certains abonnés. Par exemple, quand je clique sur mes abonnés pour gagner des abonnés, voilà, j'ai cliqué sur les abonnés. Au début, c'était les abonnés photos. Maintenant, je prends un peu de tout. Là, par exemple, sur les chiens, j'ai cliqué dessus. Je suis allé dans les abonnés pour gagner des abonnés. Et puis là. Moi, le truc que j'ai fait, au lieu de faire comme certains, abonner, 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 je clique dessus. Bon, ça prend du temps. Mais bon, comme on dit, voilà, j'ai cliqué dessus. Voilà, là, c'est du Star Stable, un jeu de chevaux. Je suis allé dessus. Hop, je like quelques publications. Voilà, il y en a trois. Donc, soit vous en likez au moins trois par personne. Et là, vous vous abonnez. Et là, vous faites ça, vous remettez ça plusieurs fois, et après vous voyez si ils ont une plus grosse communauté, vous remettez ça sur une plus grosse communauté. Mais attention, si tu as très peu d'abonnés, n'en fais pas 50 le même jour, sinon Instagram te bloque. Genre, par exemple, tu te dis, bon, ben là, je vais en faire une dizaine, tu attrapes une dizaine de personnes, voilà, tu likes quelques-unes de ses vidéos, tu t'abonnes à lui, après, c'est pas dit qu'en retour, il s'abonne à toi. Tu t'abonnes à lui, etc. Après, tu fais ça plusieurs fois, par exemple une dizaine de fois par jour. Si tu as très peu d'abonnés, que tu as une cinquantaine d'abonnés et que tu veux lancer ton Instagram. Puis après, plus tu en as, plus tu essayes d'en attraper. Moi, j'ai passé des jours et des jours à liker. Vous pouvez demander à Madame Driftland, qui est modératrice sur ma chaîne YouTube. J'ai passé des nuits entières à liker des choses. Moi, ce que je faisais à peu près. Tous les 4-5 heures, j'attrapais 10, 30 personnes. Il ne faut pas dépasser les 50. Plus vous avez d'abonnés, après, vous pouvez augmenter votre cadence. Mais il ne faut pas non plus faire trop. Parce que si vous mettez trop de likes, Instagram vous prévient comme quoi tu n'as plus le droit de liker de contenu car tu as trop liké. Donc il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça que moi, je fais à peu près 2-3 likes par personne que je m'abonne. Comme ça me fait. Je me suis abonné à la personne. Le contenu m'intéresse, il faut prendre du contenu bien sûr qui vous intéresse. Bon là, il y avait des chiens, souvent c'est sur les animaux, de temps en temps c'est sur les modèles photos. Voilà, il faut que le contenu vous intéresse pour vos abonnés. Et de temps en temps, la majorité du temps, les gens vont s'abonner à vous en échange. D'où mes abonnés. Mais là, c'est vrai que j'ai fait très peu de contenu là en ce moment sur Instagram. À part mes petits réels que j'essaye de faire au moins une fois par jour et j'essaye de mettre comment on appelle ça ici mais dans mon story j'essaye de mettre voilà que je suis en live j'essaye de discuter un petit peu il faut pas hésiter à vous abonner de discuter parce que c'est là où vous voyez s'il y a des personnes sur 1000 personnes des fois j'ai 20 personnes ça les intéresse pas le story. Mais des fois, vous pouvez en avoir 40, 50 personnes qui viennent. Et puis après, vous avez des likes, il y en a qui viennent échanger. Souvent, c'est moi, comme j'ai une chaîne YouTube, c'est les gens de ma chaîne YouTube qui likent, qui commentent de temps en temps sur mes différents, soit photos, soit réels. Donc voilà les petits conseils que je peux vous conseiller. Et comme ça, en fait, tu peux gagner très vite des abonnés. Si tu as très peu d'abonnés, tu as une dizaine d'abonnés en faisant cette technique, en fait, voilà, là tu viens sur moi, tu cliques sur abonner, hop, tu te dis, bon allez, hop, je prends faire une fire, hop,
tu likes quelques vidéos, tu t'abonnes et tu fais ça. Si tu as très peu d'abonnés, tu ferais vraiment attention à pas faire trop, sinon tu vas prendre un ban de Instagram qui est de 2 à 3 jours. Si c'est le premier coup, c'est juste 24 heures. Mais si c'est plusieurs fois, plus tu fais comme ça, plus il te prolonge le ban. Moi, j'en ai eu l'expérience, j'ai voulu aller trop vite, gagner trop de... m'abonner à trop de personnes. Et ce que ça m'a coûté, c'était un ban de 3 jours parce qu'ils m'ont compté comme bot. Voilà ce qu'ils m'avaient envoyé. Ils m'ont compté comme si j'étais un bot. Or, je ne suis pas un bot. Voilà, j'étais tout simplement... j'ai liké trop de vidéos, mais ça, j'étais pas au courant. Donc, sachez, faites attention. Abonnez-vous et likez doucement, en fait, petit à petit par palier. Vous vous dites par jour. Pour le moment, vous faites une dizaine de personnes par jour. Puis après, si tu arrives aux 100 ou 200 abonnés, tu commences à augmenter ta cadence à 20, 30, 40 abonnés par jour. Mais tu essayes de décaler dans ta journée. Tu en fais par exemple 10 le matin, 10 en après-midi. Hop, tu décales en journée pour que pas que Instagram te bloque ou te compte comme bot. Voilà les conseils que je puisse te donner, moi ça a marché réellement, on a la preuve en image. 1900, j'avais qu'une cinquantaine d'abonnés quand j'ai commencé à faire cette méthode là. J'avais qu'une cinquantaine d'abonnés et en peu de temps, je crois, c'est en espace de un bon mois, j'étais à 1000 abonnés en espace d'un bon mois. C'est monté par palier et maintenant j'arrive à avoir 2-3 abonnés par jour. Là, on peut regarder ici. Il y a des demandes d'abonnés que j'ai, voilà, j'ai pas encore accepté. Voilà, j'ai des demandes d'abonnés à demander qui commencent à me suivre, qu'il faut que je les ajoute. Bon, des fois, il n'y a pas de contenu. Moi, les comptes privés, je m'abonne pas parce que soit des fois ils débloquent, soit des fois ils débloquent pas. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de contenu. Donc, pour vous, ça vous apporte rien. Et pour eux, ça leur apporte un abonné, ça leur fait gagner juste un abonné, mais vous, ça vous apporte rien du tout parce que il a tellement peu de personnes dans la communauté quand c'est en privé qu'ils viendront pas vous voir. Mais par contre, ceux qui ont pas en privé, vous pouvez largement vous abonner à eux. Vous aurez des abonnés sûrs qui viendront de temps en temps liker vos stories, liker vos directs, même passer sur vos directs. Moi, j'ai des Anglais et tout, ils passent sur mes directs, ils disent hello. Après, c'est vrai que je me débrouille pas bien en anglais, mais ça permet de... Moi, je fais un petit... Quand je vais me promener, un petit réel en me promenant, des trucs comme ça. Et des fois, c'est vrai que les gens aiment bien partager des petits moments comme ça. Voilà les conseils que je puisse vous donner. J'espère que ces conseils vous aideront. N'hésitez pas à liker et partager à un max de personnes.